Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4. Nous sommes Premier ministre de l'Espagne, nous venons juste d'être réélus. Alors, vous allez peut-être apercevoir que j'ai la voix un petit peu... Enfin, je parle pas très très fort, je vais pas mettre de la joie, de la bonne humeur, enfin, comme d'habitude où je peux crier, etc. sur cette vidéo, tout simplement parce que je suis malade, enfin pas vraiment malade, j'ai mal à la gorge, enfin oui je suis malade, mais pas vraiment à un point où ça sera, où c'est très grave. Donc c'est possible que vous m'entendiez tousser, etc. Je ne peux rien y faire, malheureusement c'est comme ça, mais je me soigne, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc on va descendre la TVA parce que je vous rappelle qu'on a fixé ceci comme objectif. Hop, on va diminuer la TVA. Bon, c'est en Libye, tout se passe pour le mieux. On fait toujours attention à ce qui peut arriver au Maroc. La compétition va commencer dans une... Excellent. Donc on avait installé quelques bases ici, ça va bientôt être fini. On va déjà préparer à envoyer quelques chasseurs pour essayer de combattre le djihadisme. On va en prendre une vingtaine ici. Ok, on va attendre un petit peu jusqu'à que ça soit terminé. Cette base soit terminée, la construction soit finie. Est-ce que ça peut être fini? Oui, non. Ah, enfin. C'est bon. Le chantier. Oui, je veux bien. Oh, j'ai une catastrophe. Marée noire. En Andalousie. Le chantier est en face. Ah, pas mal pour le cyclisme. Ah là là, purée, j'ai mal à la gorge. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est relou. Relou. Bon. Il y a le califat djihadiste en Albanie. Ou en Serbie. Ah, c'est plutôt en Serbie. Ouais. Ah non, c'est au Kosovo, mais ils l'ont détruit, le Kosovo, lol. Notre cellule tient. Oh, on a foutu le feu à sa baraque. Oh, bah, c'est triste. Je m'en fiche complètement. On a foutu ta maison en feu ou non. Qu'est-ce que ça peut me faire, mon cher? On a quand même des aéroports. 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 Waouh! Allemagne-Mongolie! Ah bah faites attention l'Allemagne, vous savez très bien que vous passez dans les terres. Il y a toujours la guerre en Corée du Sud, bon. Moi je pourrais bien les annexer, hein, les Coréens. Mais bon. Pour le moment, c'est pas très intéressant. Pourquoi faire? Pourquoi on devrait les annexer? J'aurais... Enfin c'est pas très intéressant. On a la Chine par contre qui est ici. Faites attention monsieur les Chinois parce que je n'aime pas votre statut. Je n'aime pas que vous soyez près de mes frontières. D'accord. Ça m'énerve quand ces sous-marins sont bloqués, c'est bugué ce jeu, ça m'énerve. On va aller retourner à la base. Pendant ce temps, on est maintenant à l'armée. Au niveau de l'armée, on va recréer parce qu'il faut qu'on soit un petit peu plus dur militairement parce qu'on n'est pas si fort que ça militairement. Au niveau des missiles, on n'en a pas du tout, du tout. Alors, 320. 640. 12. 1200. La Lituanie. Face à cette...
attention Lituanie, on ne rigole pas avec moi. Oh, je suis trop fort. 5 et 5. 1, ça fait 5000. Oh, je m'en rappelle plus. Je vais vous mettre 5000. Et allez, on va accéder aux 10 000. Et après 20 000. 10 000. 20 000. Hop, c'est fait. On a les chasseurs de rang 3. On peut faire des drones de rang 3 aussi, puisqu'on a les capacités à en faire. On a aussi des tanks. Pourquoi on démantèle les tanks de rang 1 quand même? Faudrait qu'on se crée un porte-avions aussi. Ah, on est les seuls à créer des porte-avions de rang 3, d'accord. Canada. Marché noir. Marché noir. France-Espagne. Ok. C'est intéressant de savoir ça. Comme ça, on pourra créer nous-mêmes nos propres... Au niveau des chasseurs, nous aussi on peut en créer, c'est génial. Par contre, les États-Unis, ah, parce qu'on n'est pas bon, enfin, on n'est pas amis. Mais même la Chine, on n'est pas amis. Pourquoi on... Peut-être parce qu'on ne fait pas la guerre. C'est possible. Ok. Mais on n'est plus en guerre contre la... Oh, c'est bugué, ça m'énerve. C'est pas grave. En tout cas, on a une petite base en Pologne. La Lituanie, on va se calmer. C'est pas parce que je fais plus partie de l'Europe qu'il faut faire les malins. Championnat du monde. Yep. Alors, ce qui m'inquiète, c'est un petit peu le Maroc. Parce que ils peuvent à tout moment nous attaquer. Et au niveau des soldats, bon, ça, on commence à avoir des soldats, mais pas assez pour l'instant pour être totalement bien protégé. Quand on a plein de commandos, hein. Ça c'est sûr, on est parfait au niveau des commandos, il n'y a pas de problème. Désolé vraiment si j'ai une voix qui vous... Enfin, si je parle pas trop, si j'ai une voix qui est un peu triste, je suis désolé. Attendez. Fin de la guerre, Corée du Sud, Royaume-Uni, on va accepter. Royaume-Uni, Corée du Sud, ils auront accepté. Baisse de FDR. Pour le marché, d'accord. Le vote a eu lieu. La compétition va commencer. Bah, au moins, j'aurais tenu une de mes promesses. C'est la TVA. Maintenant, on va effectuer. Qu'est-ce qui pourrait pas trop être trop cher? Construction des logements. Faudrait qu'on construise 30 000 logements au niveau des hôpitaux. Alors, on va faire au niveau des hôpitaux, ça va être simple ça au niveau des hôpitaux. En plus, on va gagner en termes de popularité, je vous rappelle. C'est très important la popularité. Donc, construction, hôpitaux, on va construire un max d'hôpital. Voilà, répartir sur toute la région, mais toute la main-d'œuvre pour que ça soit créé le plus rapidement possible. Pourquoi comme ça? Ben, j'aurais terminé le plus rapidement possible mon objectif. Hop, c'est fait. En plus, on est en excédent, donc on peut se le permettre. Merci à la Russie. Merci, merci. Félicitations. Je tiens à vous féliciter personnellement pour votre... Ah oui, on est à 99%. C'est pas mal. Je l'avoue. J'avoue, c'est pas mal. Faudra faire attention. Est-ce qu'on pourrait prendre le Portugal? En vrai, ouais. Mais on a encore les États-Unis dans le dos et ça m'énerve. Mais qui c'est lui? J'en ai aucune idée. Ok, c'est pas très grave. On va... Allez, on va essayer d'ouvrir nos ambassades quand même. C'est bon, c'est même plus la guerre. En plus, ils sont un peu partout, c'est ça qui est un peu inquiétant. Politique étrangère, ils sont pas contents.
La Syrie en guerre contre qui? Ah, ils ont rouvert nos ambassades. Bon, c'est déjà une bonne chose. On va quand même mettre un petit satellite au niveau des USA, on sait jamais. Voilà. Donc le jeu est toujours buggé, il faut toujours le mettre à côté de la capitale. Oh, what? Oh. Nos agents scientifiques infiltrés m'informent qu'ils sont... En Inde, non, ça va, pas l'Inde. Ou du budget, comment ça on a perdu? Bah ça va, c'est pas beaucoup, on est quand même en excédent, mais on a tellement d'excédents que c'est pas un problème, on peut se permettre de faire quelque chose, hein, d'augmenter les hôpitaux, etc. Ce n'est pas un gros problème majeur. Port sur la guerre aux États-Unis, tout va bien. Oui, c'est chiant, je le sais, c'est très chiant. Les obsèques auront lieu. Je sais, je sais. Moi aussi, j'en ai marre d'avoir cette voix cassée. Enfin, c'est pas vraiment une voix cassée, c'est que j'ai mal à la gorge. Et donc, j'ai mal à parler. Enfin, j'ai du mal. Est-ce qu'on pourrait apaiser maintenant les tensions? Ok, on vous donne... 1000 en 2 ans, vous pouvez accepter quand même. Parce que là, vous pouvez pas accepter au moins la paix. La paix, on... J'ai plus envie de vous faire la guerre, quoi. Pff, je comprends pas. Faut leur faire quoi pour dire stop, on veut pas vous faire la guerre? Faut faire quoi, hein? Je comprends pas. Si ça continue, je vais vraiment faire la guerre, hein, parce que là, ça m'énerve, hein, d'avoir les États-Unis contre moi. Je sais pas pourquoi en plus. Ah oui, si, je sais pourquoi. J'ai oublié. Bonjour, ce satellite était bloqué. Ils veulent pas. Hop. Ok. Je voudrais vraiment qu'on calme les tensions avec les États-Unis là, ça m'énerve. Et pourquoi? Je vais pas te donner 46 milliards d'euros aussi. L'Ukraine. Oh, l'Ukraine, il commence à m'énerver, hein. Attention parce que ça va commencer à faire un petit peu mal, hein. Tiens, je te donne 20 millions. Enfin, 20 milliards. Enfin, 20 milliards. Ce point... Oh. Non, on va refuser. On va pas le breveter, mais on va le garder. En renégociation. Ok, ils veulent pas. Hein. Je comprends pas. Menace militaire en Pologne. L'Ukraine, là... Hey, ils commencent à m'énerver, hein, un peu, l'Ukraine. À nous, maintenant à eux. Ensuite, ils veulent attaquer qui, hein. On peut direct vous détruire, hein, vu que Kiev est un peu détruit. Ah, ils sont en train de reconstruire, en plus. L'armée avec vous. Au moins, l'armée avec moi. Faudrait vraiment qu'on apaise les tensions. Faire un petit don économique. Est-ce que si on fait un petit don économique, on va
calmer les tensions avec la Chine. Si on arrive à les calmer, à calmer les tensions avec la Chine, c'est génial. Même si à Pékin, il y a beaucoup de monde. Est-ce que il y a un truc qui se passe? Pour l'instant, rien. Ok, ils réagissent pas. Pour l'instant, on est toujours au niveau point rouge. Hein. On n'est pas du tout amis avec eux. Ça m'énerve. Pourquoi? Moi, je voudrais apaiser les tensions avec le monde, quoi. J'ai pas envie de détruire encore un pays, hein. Les États-Unis, par exemple, j'ai pas envie de les détruire, moi. Alors, si la Chine aussi, j'ai pas envie de faire une guerre avec eux, moi. Hop. Par contre, faut que je regarde un petit peu au niveau de mon budget, parce que ça donne beaucoup et ça fait du mal à mon budget. Encouragement. Ils réagissent pas, hein. Ils veulent pas qu'on calme les tensions. Ok, on a les Allemands qui arrivent. Ils sont toujours en guerre contre la Corée. Et si nous, on leur donnait de l'argent à eux? Ah, on peut même pas leur donner de l'argent. Oh, c'est débile. C'est débile. Je comprends pas. N'attaquez pas les États-Unis. Ne faites rien. Notre cellule. Ah, vas-y, ça c'est bien. Espionnage industriel, vas-y. Fête nationale. Tout est mis en œuvre. Vas-y, bibiche. Petite fête nationale. Bon, par contre, notre don économique, ils s'en foutent un peu. On va. Voilà, zéro. On va regagner notre pognon, hein. Oh, comme si c'était pas assez enfin assez méchant. Enfin, comme si on s'aimait pas assez, hein. Mais bien sûr. En plus, ils nous ont même pas dit merci. Hein. N'importe Nawak. Pour tout vous dire. Promesse électorale. Ah bah oui, bah attendez, je vais pas tout faire aussi. On va faire aussi autre chose, donc on va aussi, puisque c'est le salaire minimum. Tout dépend de la monnaie. Ok, ça décroît. Travail. Ouais, on va accepter. Le salaire minimum, il va augmenter. Excusez-moi. Mettre à 1500. Comme ça, il n'y a pas de souci. Oh purée, le Parlement est pas du tout d'accord. D'accord. Ça va être compliqué de tenir cette promesse, par contre.
Ok, on a de la croissance. Vous avez changé la donne sur les questions. Non, il faudra qu'on crée. Ces troupes importantes sont... Face. Je pense sincèrement... Faites gaffe, hein. J'ai pas envie de vous attaquer, moi, la Corée du Sud. Je croyais qu'on était alliés. Mes chers concitoyens, en ce jour solennel, je veux vous exprimer toute ma fierté et mon affection. En célébrant l'histoire et le génie de notre beau pays, je souhaite aujourd'hui me souvenir de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous divise, afin de tourner un regard confiant vers l'avenir. Mais oui, Bibi, je t'assure. On va créer un petit peu au niveau des logements. Donc j'avais dit que je construirais 30 000 logements. Avec une main d'œuvre qualifiée. MDR. Main d'œuvre insuffisante. Plutôt trop de main d'œuvre. Et j'arrête à 55, répartir sur tout le territoire. Bam! Ok, oula! Oulala! Il se passe quoi là? Faut bien avouer que c'est le. Ah, par contre, au niveau militaire, on a de plus en plus de militaires. Ça c'est génial. C'était... Notre cellule. On va un petit peu espionner nos voisins là. Est-ce que j'ai pas un satellite pas très loin? C'est quand même assez éloigné. Je vais te mettre ici. J'ai un petit peu peur. Sinon, au niveau des États-Unis, il est arrivé mon petit satellite? Ou pas? Non, il a disparu. Génial. Comment ça se fait qu'il a disparu? Ok, encore des attentats. On va aller un petit peu voir au niveau de tout ce qui est attentat. Hop. Ok, il se déplace. L'eau du Maroc, est-ce qu'on a un satellite? Non, on n'a même pas de satellite au niveau du Maroc. Alors que c'est, nos... c'est celui qui est le plus proche de chez nous. On va quand même en mettre un. Contre le manque de place dans le supérieur. Manif d'étudiants. Ouais, ouais, ne vous inquiétez pas. L'analyse des armes. Le vote a eu lieu. Et bah, c'est génial. Au moins, on a tenu une promesse. Ça, c'est fait. Ah, bah au moins ça, on l'a fait. Mais. On a un petit satellite au niveau de Paris. Ok. On va surveiller un petit peu tous nos voisins. Ainsi que le Portugal. On va aller regarder au niveau du Portugal. Sait jamais. Hop, on met un petit satellite au niveau du Portugal. Il est où mon satellite? C'est celui-ci? Oui. Ok, il y a un tsunami, on va rien faire. Hmm.
qu'il arrive. Au niveau du Japon, ben, pour l'instant, on est très amis avec le Japon. Il n'y a pas de souci. On pourrait même mettre une base au niveau du Japon. En ce temps, t'as l'Allemagne qui passe chez nous en mode bonjour. Comment allez-vous? Ah bah très bien. On prend un petit café. Alors qu'ils n'ont aucun droit, mais bon, c'est pas très grave. Pas trop envie de faire la guerre contre eux. Ok, on a 18 000 soldats. ils ont pas le droit de faire ça. Vous semblez vous dire. L'ONU. Non, je veux plutôt dénoncer le RDC. Attendez. Ok, trop de... You won't die, you see.